control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone all true. J'ai trop la flemme de me coiffer. Du coup, je vais remettre mon turban comme hier. Parce que j'ai trop la flemme de faire mes cheveux. Enfin, de mettre de l'eau, de les boucler, tout ça. Je suis un peu une flemmarde, je sais, mais j'ai vraiment trop la flemme de les sécher et tout. Et en plus, là, il est 6h43. Donc, bon, un peu la flemme. Et ensuite, je vais faire ma valise. Comme ça, elle sera déjà prête quand je finis à 18h. Ma valise pour rentrer chez ma mère. Après, je vais prendre mon petit déj. Voilà. J'avais trop peur de mal le faire, mais je l'ai bien fait du premier coup. En fait, c'est simple à faire quand t'as les cheveux longs, mais depuis que je me suis coupé les vaches, bah, c'est un peu compliqué. J'espère juste, inchallah, il tient, inchallah, il tient, parce que ça va me casser la tête, en fait. Oula. Ça va me casser la tête si je dois le refaire. Hey, ladies, drop it down. Bref, du coup, là, je vais faire mes petites affaires, et après, je vais manger. Ouais, je prends des petits déj le matin, parce que j'ai trop faim, en fait. Moi, j'ai faim toute la journée. Il y en a, ils prennent pas le matin, parce que... ils ont pas trop l'envie de manger des 6 heures du spa, mais moi j'ai très très faim en fait. Voilà. Il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça se voit pas quand je mets du blush moi. Je l'estompe trop, c'est ça? C'est ça en fait? Bref, je suis en train de relire mon exposé, ma partie dans l'exposé. Et après, je vais relire un peu mon anglais, comment faire un mail professionnel, etc. Comme ça, au moins, j'aurai des petites phrases, tout ça. Il est 7h10, je pars dans 20 minutes. Au calme, ça va le faire. Je suis enfin rentrée chez ma mère. Enfin de retour dans ma petite chambre. Je vais pas vous montrer mon lit parce qu'il faut que je range mes vêtements et tout qui sont sur mon lit. Et mon drap. Mon drap. S'il vous plaît, c'est juste le temps que mon autre drap soit propre. En attendant, j'ai mis un drap. Pet Shop. Carrément, j'ai même pas envie de vous montrer, mais vas-y, je vous montrerai quand même parce qu'on assume tout ici en fait. On assume tout en fait. Pourquoi mon nez il est rouge? Parce que j'ai chaud. Bref, du coup là, il est actuellement 19h28. Je vais avancer pour mon exposé de demain. C'est quoi? Je vais vous montrer le programme de la soirée. Vous voyez là dans mes petits homeworks, je dois réviser le marketing, réviser l'espagnol et réviser l'anglais. Ah non, mais réviser l'anglais c'est fini déjà, de toute façon j'ai eu mon contrôle. Youhou! Là en cours c'est réviser la culture juridique parce que j'ai un peu commencé. Et il me manque à réviser le marketing, réviser l'espagnol. J'ai oublié de marquer un truc en fait. Exposé... économie, exposé, communication, parce que c'est un exposé de com. Mince, et communication. Youhou! Hop là! Voilà, et il est in progress du coup, parce que je suis en train de le faire actuellement, il faut que je le termine. Donc, programme de la soirée. On va zoomer un peu. Exposé en com. Je termine de 19h30 à 8h30. Ah bah, il est pile 19h30! Let's go! Jusqu'à 8h30 ou un peu moins le temps que je mange.
Et après que j'ai terminé mon exposé de com, c'est la fiche section 3 de culture juridique. J'ai oublié. Je vous avouerai que la culture juridique, ça me casse un peu la tête. J'ai 31 pages à apprendre pour jeudi. J'en suis à la page... je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à la page 12. Je suis à la page 12, j'ai 31... Allez, 30 pages. Je suis à la page 12. Donc il me reste plus de la moitié en fait. Oh, vous aimez bien comment j'ai mis mon petit turban? J'aime bien, c'est trop stylé comme ça, je trouve. C'est trop trop mince. D'ailleurs, update de mon contrôle d'anglais, ça s'est très bien passé. C'était simple. Voilà, ça va, c'était normiche. Ça se trouve, je dis ça, je l'ai complètement foiré, on sait pas. Mais non, en vrai, ça va, ça va. Il y avait compréhension écrite et expression écrite, ça va. Tranquille, tranquille, ça va le faire si Dieu le veut. Et deuxième truc, c'est un exposé que j'avais à faire en groupe. Sauf que le problème, c'est que j'aime pas parce que c'est une note de groupe. Et moi, je préfère avoir une note de groupe et une note individuelle. Et non, là, c'est qu'une note de groupe. Ça me casse la tête. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, ça va. Genre, je suis pas trop confiante dessus. Mais bon, c'est la life, hein. Je vous ferai une petite update de mes notes si je les ai pendant que je fais le montage. Aussi, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai acheté. Je suis très contente de l'avoir acheté. C'est une petite figurine de Gojo. Ah! Hi, Joe, what is up? Yo, I'm on. Sashiburi dana, mugiwala. Attends, c'est lui qui dit ça? Wesh, j'ai oublié si c'est lui qui dit ça. Mais non, c'est pas lui qui dit ça. C'est pas Gojo qui dit ça. Attendez, je vais chercher maintenant. Bref, trêve de plaisanterie. Je vous ai montré ma petite figurine. Ok, c'est trop cool. Maintenant, il faut que je bosse en fait. Comment, j'ai pas envie? J'aime trop comment j'ai mis mon petit foulard aujourd'hui. Je vous jure, quand j'ai trop la flemme de me coiffer, bah c'est incroyable. Et aujourd'hui, je l'ai mis d'une façon différente. Mais je vous jure, quand j'ai la flemme, magnifique. Magnifique. Les amigos, il est actuellement 23h06. J'ai complètement oublié de... Enfin, j'ai pas filmé quand je suis rentrée chez moi. Tout simplement parce que j'ai travaillé, j'ai continué le montage de ma vidéo YouTube et j'ai appelé ma pote. Et entre-temps, j'ai jamais pensé à filmer, malheureusement. Je suis désolée. Donc bon, étant donné que j'ai loupé mon réveil ce matin et que je me suis réveillée à 6h, 34 au lieu de 6h15 ou 6h normal, enfin 6h pile, je vais me coucher en fait. Je continuerai de bosser demain. Demain, je vous promets, j'oublie pas de filmer. J'aurai craché les amis, gosse. Oh, faut que je me coupe les ongles. Bref, j'aurai craché les amis. J'aurai pas craché les amis, gosse. Passez une bonne nuit. À demain.
Bisous. J'attends la billetterie de Amine pour son match contre l'Espagne. J'espère choper des places, enfin une place pour y aller. J'espère que c'est à 20h que ça ouvre avec son live et il est 19h32 donc j'ai le time un peu. Donc là je vais regarder sur Vinted une paire de chaussures parce que je veux m'acheter des TN noirs. Du coup je vais voir sur Vinted s'il n'y en a pas neuf, pas trop cher. Et voilà, voilà. Et il faut que je révise aussi. Il faut que je révise à fond la culture juridique. Mais là, c'est pas possible. Il faut que je révise la culture juridique à fond. Parce que je ne connais pas trop. Et il faut que j'apprenne pour demain. Donc bon, je vais pas pouvoir tout connaître, mais c'est pas grave. Je vais quand même essayer d'apprendre le plus possible, en fait. Et c'est un contrôle d'une heure aussi, normalement. Ce que je trouve bizarre pour un contrôle de cours magistraux de culture juridique. Mais bref. J'ai envie de mettre mon pantalon noir, mais le problème c'est que je sais pas avec quoi le mettre. C'est que si je mets du noir et qu'il fait 24 degrés et qu'il y a du soleil, je suis dans la mouise parce que du coup je vais crever de chaud. Le problème c'est que je pourrais mettre qu'un col roulé avec mon pantalon, mais vu que j'aime pas mes bras, je les trouve trop fins. Du coup j'aime pas quand c'est collé à ma peau et que j'ai pas de veste par dessus. Ou est-ce que je suis à un stade où je m'en fous totalement? Je pense que je suis à un stade où je m'en fous totalement. Oh mais je suis débile! Je sais ce que je vais mettre! Je vais mettre mon pantalon... Ah non, je vais le mettre demain en fait. Je vais le mettre demain. Donc oubliez, je vous montrerai demain ce que je mets. Du coup, ce petit pantalon Bershka que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, qui me va très bien, je le mets sans ceinture, parce qu'il me taille parfaitement. Pour une fois, un pantalon qui me taille. Dans ma vie, j'en ai trois de pantalons qui me taillent bien où j'ai pas besoin de ceinture. Avec un petit col roulé. Voilà, avec un petit col roulé. Oui, je sais, il va faire 24, je vais mettre un col roulé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Je peux pas faire autre chose en fait. J'ai pas envie de mettre de t-shirt parce que. J'ai pas envie de mettre de t-shirt parce que ça, t-shirt ça va pas avec. Avec mon pantalon là, sauf si je mets un t-shirt noir. Ah, j'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Au final, je vais mettre mon t-shirt Biggie avec mon pantalon noir. Voilà, c'est bon, c'est décidé. Il est temps de manger. Il est 12h10. Je vais me faire à manger après cette petite séance de révision. Je n'ai pas fini d'ailleurs, mais bon. Je pars de chez moi à 27h30, voire 30. Donc il faut que je mange maintenant et après je me sèche les cheveux et que je me maquille pour être ready. J'ai du riz, donc je vais manger du riz avec du saumon et un avocat. Je voulais me faire un œuf, mais j'ai trop la flemme, donc je vais manger juste ça. Est-ce que le riz est assez chaud? Ouais. J'aurais pu le laisser froid, mais je préfère quand il est un peu réchauffé le riz. Hop là, on vient rajouter du saumon.
coiffée, habillée. Enfin, faut juste que je mette mes chaussures. J'ai pris mon baluchon comme sac. Et voilà. Et après, du coup, bah, je vais y aller là dans pas longtemps. J'ai peur. Je me suis commandé des petits sushis. Youhou. Update de mon contrôle de marketing. Je vise sur 20. En vrai, la moyenne, non? Tu vises combien, toi? Moi, je vise de 9, entre 9 et 11. Et toi? Entre 6 et 10. Ça, entre 7 et 10. C'est triste, hein, qu'on en arrive à là.